Partir en croisière en orbite, ça fait rêver, non? Justement, aujourd'hui, on va parler de tourisme spatial. Alors, les vacances dans l'espace, c'est pour quand? Salut les impatients, content de vous retrouver. 12 personnes sont déjà parties dans l'espace comme touristes. Bon, 12, on est loin du tourisme de masse. Les derniers, c'est cette actrice et ce réalisateur russe. Ils ont passé 12 jours à bord de l'ISS pour les besoins d'un film. Juste avant, 4 touristes américains avaient effectué des orbites autour de la Terre à près de 600 km d'altitude pendant 3 jours. Ça, c'était à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Quant au tout premier touriste, c'était il y a 20 ans, Denis Tito. Il a passé 7 jours dans l'ISS. Mais un touriste spatial, c'est quoi exactement? Alors déjà, sachez que le terme consacré, c'est participant commercial. Car c'est bien ça qui définit le touriste. C'est le fait qu'il paye sa place, très cher même. Pour ce qui est des motivations, elles sont diverses. Sensations fortes, défis, cinéma, on l'a vu tout à l'heure. Certains sont aussi de véritables passionnés. Je pense à Mark Shuttleworth, businessman sud-africain qui est parti dans l'ISS en 2002 pour 20 millions de dollars. Lui, il s'était réellement entraîné comme un fou. Il a participé à des expériences scientifiques pour la lutte contre le VIH notamment, comme un véritable astronaute professionnel. Where's the band? You plan on going on a mission just like that? We're supposed to mingle with tourists, aren't we? What do you expect us to wear, a panda suit? Nice hat. En fait, quand on parle de tourisme spatial, il faut distinguer les vols suborbitaux où on vise la limite de l'espace vers 100 km et on revient. Et les vols orbitaux où les touristes sont en orbite autour de la Terre à 400, 500, voire 600 km d'altitude. Salut Christophe. Salut Sylvain. On vient de voir que le tourisme spatial était en pleine ébullition actuellement. Est-ce qu'on peut s'attendre à des gros développements dans les années à venir? Pour le moment, il n'y a que 2 candidats réellement sérieux. Il y a Spaceship Two de Richard Branson et il y a le New Shepard de Jeff Bezos. Alors, Spaceship Two, Branson a annoncé qu'il ferait 400 passagers par an dès l'année prochaine. Bon, on verra, j'y crois quand même pas trop. Son véhicule est un véhicule qui est dangereux, très sensible. Il faut vraiment un pilote d'essai hors norme pour faire ce type de mission. D'ailleurs, ils viennent de virer leur chef pilote d'essai, donc on verra comment ça se passe. Donc c'est encore une industrie, une activité qui se cherche, mais pour laquelle, apparemment, il y a une demande extrêmement forte et pas encore d'offres. Les promoteurs du voyage spatial touristique sont essentiellement des entreprises privées. Comment ça se fait, ça? C'est l'antithèse des programmes spatiaux d'agence, par exemple. D'ailleurs, le CNES, on ne mettra jamais un centime de l'argent public dans une activité de ce genre-là. C'est pas du tout le rôle d'une agence régalienne comme la nôtre. Néanmoins, c'est quand même des sujets qui sont très intéressants. Le moteur du New Shepard de Jeff Bezos, sa petite fusée qui décolle et qui revient atterrir verticalement, un moteur qui s'appelle le BE-3, qui est une petite merveille. Bon, pour les puristes, c'est un cycle qu'on appelle cycle tap-off. Bon, moi, j'ai passé 15 ans à enseigner que le tap-off, c'était impossible. Et Bezos le fait voler. Il est évident qu'on a énormément à apprendre là-dessus, au niveau des trajectoires, du pilotage, du vol habité. Deuxièmement, également, il est possible que ces véhicules-là nous intéressent pour valider une expérience de satellite avant qu'on l'envoie en orbite. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait déjà avec l'avion 0G de Novespace, mais qui fait des paraboles qui durent à peu près 20 secondes de 0G. Là, on peut faire des phases qui peuvent durer 3 ou 4 minutes avec des bons volumes. Donc ça, c'est quelque chose qui, au niveau scientifique, peut être très intéressant. Il est donc tout à fait possible que demain, on soit client de ces activités-là. Le tourisme au service de la science, c'est en tout cas ce qu'encourage notre filiale Novespace avec les vols 0G, qui sont finalement une autre forme de tourisme spatial, dans le sens où pendant quelques minutes, on se retrouve véritablement en micro-pesanteur. Novespace a ouvert son avion aux touristes il y a quelques années. Là, le but, c'est bien de financer les vols scientifiques. Alors Christophe, le voyage spatial, ça coûte évidemment très très cher. Mais quand on compare ça à l'industrie du luxe qui coûte 1300 milliards de dollars par an, sur Terre, on se dit que finalement, c'est crédible. Oui, quand on regarde le potentiel de passagers,
Effectivement, c'est tout à fait crédible. Je crois qu'il y a 50 millions de millionnaires qui se posent tous la question existentielle de comment est-ce que je vais dépenser mon argent. Par contre, il y a quand même quelques freins. Le premier, à mon avis, c'est qu'il faut comprendre que ces activités suborbitales, c'est vraiment pour aller d'un point A à un point A. Et bon, ce qui est quand même un peu limité. Et malheureusement, les perspectives d'évolution pour des raisons techniques, que je n'étais pas ici, mais sont quand même assez limitées. On n'aura pas, par extension progressive, le vol transatlantique. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce que cette activité soit green, soit verte, au niveau environnement, soit environnementalement acceptable. Par exemple, le vol du Spaceship Two, sauf erreur de ma part, il génère 3,5 tonnes de CO2 par vol. Alors, bon, quand c'est un vol tous les 36 du mois, ça va. 50 000 passagers par an, donc environ 10 000 vols par an, c'est environ un vol toutes les 20 minutes. Bon là, ce n'est pas concevable une seule seconde si c'est en polluant énormément. Donc il faut vraiment avoir des solutions très très propres, ce qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui. Alors Christophe, on est ici sur le site d'essai pour les rovers mobiles du CNES à Toulouse. C'est un sol qui reproduit vraiment les conditions du sol martien avec de la pierre de lave légèrement orange comme ça, rouge. On parle de Mars. Alors Mars, quand est-ce que je pourrais aller y passer mes vacances ? Le truc, c'est qu'il y a quand même quelques étapes à franchir d'ici là. Sais-tu qu'on ne dit pas un rover, on dit un astromobile. Mais grâce aux travaux qui sont menés ici, par exemple, on se prépare effectivement pour demain. Alors demain, on va commencer d'abord par la Lune, probablement vers 2026, quelque chose comme ça. Au plus tôt, il devrait y avoir les premiers astronautes. Alors là, ce seront des astronautes professionnels, c'est pas encore des touristes, loin de là. Il y aura peut-être qu'il y aura Thomas Pesquet. Hein. Donc, entraînement purement scientifique, mission scientifique, puis plus si affinité, un peu plus de monde, une base permanente sur la Lune, on verra. Et en parallèle, on travaille sur Mars. Mars, on saurait le faire au niveau technique des lanceurs, des astromobiles et autres, ça on maîtrise. Il y a beaucoup d'autres défis qui sont tout à fait d'un ordre différent, notamment psychologique, physiologique. Il faut qu'on arrive à le résoudre. Je suis convaincu qu'on arrivera à le faire bientôt. Hein, on travaille là-dessus. Bon, comme meilleure preuve, par exemple, Elon Musk, donc SpaceX, a prévu d'avoir une civilisation complète sur Mars. Il a prévu d'avoir une vie là-haut avec 1 million de personnes. Bon. Vous l'aurez compris, le tourisme spatial n'en est encore qu'à ses débuts. C'est un marché de niche, mais un marché quand même, avec carrément des projets d'hôtels. C'est un marché porté par des entrepreneurs qui veulent faire du business et qui rêvent pour certains d'emmener l'homme plus loin, sur la Lune et sur Mars. Et là, on n'y est pas encore. Bon, à force de parler de tourisme spatial, j'ai bien envie de partir en vacances, moi. Qu'est-ce qu'on a en ce moment ? Tahiti, les Seychelles ? Au fait, chérie, c'est bon hein, pour l'été prochain, j'ai réservé dans un petit village vacances à Melun. Si cet épisode vous a plu, likez la vidéo. Et si c'est toujours pas fait, abonnez-vous surtout à notre chaîne. Allez, à bientôt les impatients.